Dans cette vidéo, je vais vous présenter tout ce que vous avez besoin de savoir pour maîtriser Garen, que ce soit les combos, les astuces sur les sorts et la gestion de la phase de lane. Je peux vous assurer que vous ne retrouverez pas un contenu aussi détaillé et organisé ailleurs. Ici Shamalosan, master depuis la saison 7, et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'école des champions sur Garen, en remerciant les membres de la chaîne YouTube, leur pseudo s'affiche derrière moi. On commence par un classique, même si le A de Garen empêche une auto directement après, on peut quand même utiliser le combo auto-A-auto pour enlever une ward avant qu'elle n'aille dans le brouillard de guerre. Concernant les sorts flash, le premier sera sur le A, dans un premier temps on peut l'utiliser dans une optique d'effet de surprise pour que l'ennemi s'y attende moins. Mais aussi dans une optique de défense pour lancer son sort à distance, c'est très particulier comme situation. Le deuxième sort flashé sera sur le R où on pourra encore une fois l'utiliser dans une optique de défense au même titre que le A flashé. Avant de continuer avec les combos à dégâts, je dois préciser une idée primordiale pour la suite. Sur tous les champions, on conseille de mettre des autos entre chaque sort pour optimiser les dégâts. Le truc c'est qu'avec Garen, si on veut mettre une auto après son E avant un R, c'est assez long. Pour éviter ça, on peut arrêter soi-même le E pour mettre l'auto avant le R, le délai sera plus court. Ceci étant dit, je peux maintenant présenter les combos à dégâts, que je vais catégoriser en fonction de la distance que l'on a de son ennemi. Le premier combo courte portée sera l'auto A, double E, auto R. Ce combo là sera utile quand vous êtes déjà proche mais que l'adversaire peut s'échapper avec un dash ou autre. Le silence très tôt permettra de sécuriser le fait qu'il reste proche de vous. L'autre combo courte portée sera l'auto double E, auto A, R. Celui-là sera plus optimal en termes de dégâts. Les 6 stacks du E offrant 25% de réduction d'armure pour la suite. On aura plus de dégâts en échange de plus de risques puisque la cible ne sera pas silence, donc il faudra uniquement l'utiliser contre des cibles sans moyen de s'échapper ou le moyen de vous tuer. Ensuite, quand vous êtes plus loin, le combo par défaut sera le A double E auto R. Contrairement au combo courte portée, vous serez obligé d'utiliser votre A pour arriver à distance de votre ennemi. Vous pourrez faire ce combo contre les ennemis sans dash. L'autre possibilité sera de faire le A flashé enchaîné du double E puis auto R. A l'inverse, celui-là sera pour les ennemis à distance qui ont un dash. Le A flashé surprendra et mettra un silence qui sécurisera la suite de votre combo. On continue cette vidéo avec les astuces à savoir et j'en ai une première très intéressante si vous souhaitez vous améliorer sur le champion. Sur mon serveur Discord Shamalo Academy, j'ai recruté un professeur par champion qui sont des joueurs et joueuses minimum master, et qui font toutes et tous partie des meilleurs d'Europe sur leur champion. Sur Garen, vous retrouverez Light, Ishuro et Melog, respectivement Master et Challenger, qui sont là pour répondre à vos questions sur le champion, donner leurs avis sur vos replays, etc. Je vous ai montré comment aller dans le salon Garen, vous avez le lien du serveur en description. Ceci étant dit, j'ai deux astuces sympas sur le A de Garen. Lorsque Garen utilise son A sur une cible, il va faire un micro dash comme vous le voyez ici. C'est pas considéré à proprement parler comme un dash, mais un launch selon LOL Wiki. Ce qui est très intéressant sur ce launch, c'est qu'il ne va pas être pris en compte contre le Z de Poppy ou le E de Talia. Mais qu'en plus, ce launch peut vous permettre de traverser un Z de Yorick ou de bouger pendant une immobilisation par exemple. Ensuite, dans la même idée, il faut savoir que votre A est inarrêtable, donc ça va être très intéressant de l'utiliser avant un CC adverse pour optimiser votre temps de jeu et faire une action pendant que vous êtes CC. Il y a deux astuces à connaître sur le Z de Garen. Premièrement, étant donné que l'actif donne un bouclier, ça peut être utile de l'utiliser pour conserver le passif de Garen et continuer de se régène malgré une auto-attaque d'un ennemi, particulièrement contre les champions range. Ensuite, je préfère rappeler que l'actif réduit de 30% les dégâts subis, donc dans un fight c'est très important d'analyser quel est le sort principal adverse en termes de dégâts pour utiliser son Z sur le bon timing et optimiser la réduction de dégâts. Maintenant, il y a trois astuces à savoir sur le E de Garen. Déjà, si on arrête soi-même le E, on va pouvoir réduire le délai de récupération du sort en fonction du temps que l'on n'a pas utilisé. Donc prenez le réflexe d'arrêter le sort dès que vous n'en avez plus besoin. Ensuite, au même titre que le E va continuer même si on se fait cesser, donc c'est important de bien l'utiliser avant un CC adverse pour optimiser ses trades, ça peut totalement faire la différence. La troisième astuce, c'est que le E de Garen rend fantomatique, autrement dit, vous pouvez traverser des unités. Un exemple concret sera lors d'un dive, le E vous permettra de repartir sans vous faire bouger par les sbires et potentiellement éviter un coup de tour fatal. Et dans la continuité, l'aspect fantomatique du E va être très utile pour être le plus proche de son ennemi ciblé, puisque Garen fera 25% de dégâts supplémentaires à l'ennemi le plus proche. D'ailleurs, vous pouvez savoir qui est la cible la plus proche pendant votre E avec la petite épée au-dessus de sa tête. Et je précise, mais les ennemis la voient aussi. Pour finir avec les astuces, j'en ai deux à vous partager sur le R et la deuxième est assez incroyable. Au même titre que le A et le E, votre R est inarrêtable d'un point de vue CC. Donc si vous savez que vous allez vous faire stun, ça peut être intéressant de l'utiliser juste avant ce sort pour faire quelque chose pendant votre temps de stun. Ensuite, il faut savoir que le R de Garen donne une vision pure pendant une seconde, c'est-à-dire que vous pouvez voir les ennemis invisibles. L'intérêt de savoir ça, c'est qu'on peut préférer utiliser le R juste avant qu'un ennemi utilise son sort d'invisibilité ou rentre dans un bush pour garder la
vision le temps du sort. Ici, certes, le Garen a Ignite, donc il a la vision, mais on voit bien sur le moment du R qu'il a la deuxième vision pure qui apparaît et ça lui aurait permis de conserver son sort. On va maintenant passer à la gestion de la phase de lane qu'on va développer de façon chronologique, et si vous êtes arrivé jusque là, je vous serai reconnaissant de liker la vidéo pour que d'autres la voient. Déjà, vous devez bien comprendre comment gérer les trades avec Garen pour pas vous faire éclater. Le but du champion, c'est de prendre des trades très brefs et reculer directement. En gros, dès que vous voyez une fenêtre, vous pouvez faire votre A et enchaîner avec votre E, mais uniquement le temps que l'ennemi est silence, donc environ 2 ticks de E pour ensuite reculer. Je vous déconseille de faire plus parce que dans une majorité de match-up, vous serez perdant. En fonction de la situation, vous pourrez optimiser ce trade en mettant une auto juste avant votre A, mais gardez bien en tête de reculer très vite derrière. La conséquence de ce poke en lane, c'est qu'en utilisant vos sorts pour l'ennemi, vous êtes obligé de concéder la priorité de lane, et c'est très bien comme ça, vous devez l'accepter. A partir de là, je vous conseille d'essayer un maximum de setup un freeze. Cette position vous permettra de rester en zone safe, mais surtout d'avoir plus de temps pour continuer à poke votre adversaire sans risque qu'il vous turn. C'est pas un guide sur le wave management, mais si ça vous intéresse, c'est typiquement ce dont on parle lors de séances de coaching, donc si vous voulez un point de vue extérieur qu'à travailler sa pédagogie, vous avez le formulaire d'inscription dans la description. Et vous avez des avis d'anciens élèves en cliquant sur le bouton en question dans le salon coaching sur le serveur Discord. Concernant le farming sous tour, je vous conseille de mettre un tick de E sur les sbires mages pour ensuite avoir la possibilité de les last hit avec une simple auto une fois que la tour aura mis son coup. C'est pas grand chose, mais si vous y aviez pas pensé, c'est cadeau. Pour continuer de façon chronologique, après ce freeze viendra forcément un bounce back, autrement dit votre vague va avancer vers la tour adverse. C'est à partir de ce timing là que vous pourrez concrétiser l'avantage de PV que vous aurez créé au fil des sessions de POC, parce que même si c'était du 50-50 très lent, avec votre passif vous aurez forcément un avantage de PV non négligeable. Donc vous pourrez soit kill en dive ou non, soit forcer un back et convertir ça en avantage de sbire. Et c'est continuellement cette stratégie, cette philosophie de jeu que vous allez avoir sur Garen, c'est une stratégie classique mais le kit de sort du champion la rend très complexe à contrer une fois que vous la manipulez bien. Maintenant Garen a un point faible, c'est d'arriver à distance de son ennemi, et pour combler ça je vous conseille de jouer autour des bushs pour que ce soit lui qui arrive à vous. Que ce soit pendant la phase de lane pour faciliter les trades, mais aussi en faisant semblant de back et en faisant un trap, dans les deux cas vous inverserez un point faible en point fort. D'ailleurs, lorsque vous backez, gardez en tête que vous pourrez partir de la base avec les deux tiers de vos PV, votre passif fera le travail sur toute la distance de votre retour en lane. Merci aux membres de la chaîne YouTube, leur pseudo s'affiche sur le parchemin du fond. Pour devenir un membre, il faut cliquer sur le bouton rejoindre à côté du bouton s'abonner, j'ai mis le palier le plus bas, à savoir 99 centimes, donc si mon contenu vous aide et que vous souhaitez m'aider à gagner ma vie grâce à ça, votre contribution est la bienvenue. Je terminerai cette vidéo par les mots d'un chanteur à la voix cassée qui m'a dit « Le plus important dans League of Legends, ce n'est pas le champion, c'est ce que vous en faites ».